Bonsoir et bienvenue, c'est Pendant le 20h. Il était une fois la Corse. Ce soir, nous revenons sur l'histoire de la Corse racontée et enseignée aux enfants avec Lisa Dorazio et Marie-Dominique Prédal. Marie-Ange Philippe, elle, s'intéressera à cet être mystérieux qu'est le jeune préadolescent avec les cahiers d'Esther de Riyad Satouf. Et ce sera notre focus. Bonsoir, Marie-Ange. Lisa Dorazio, Marie-Dominique Prédal, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Ludique ou scientifique, l'histoire et son enseignement ne sont jamais anodins, d'autant plus lorsqu'ils s'adressent aux plus jeunes. Lisa Dorazio, vous êtes docteur en histoire, auteur de la collection « L'histoire de la Corse racontée aux enfants » avec Frédéric Bertocchi, dessin de Michel Espinoza. Vous considériez qu'il manquait une référence en la matière ? Alors, en fait, c'est un ouvrage ludique. Je le dis bien, ce n'est pas un support pédagogique. Il y a des supports pédagogiques qui existent. Il y a le travail qui est mené par le CRDP, hein, dont j'ai une représentante à mes côtés. Je pense à cette Storia di Cortica de Denis Lucian, par exemple. Nous, c'était véritablement un projet personnel. C'était l'envie de retrouver ces supports d'antan qui donnent envie, enfin, à moi personnellement, qui m'ont donné envie de faire de l'histoire quand j'étais enfant. Hein. Je pense à des Alain Decaux avec leurs histoires racontées. Je pense à Il était une fois l'homme. Hein. On n'en est pas loin. Il était une fois l'homme, c'est une BD, c'est un dessin animé. Mais on n'en est pas loin non plus dans le principe. Et le support, en fait, histoire illustrée, s'adresse à un public jeune. Mais pas que, et permet de détourner un petit peu la BD, la rendre plus simple, plus accessible, et d'offrir des pages de l'histoire de la Corse. Alors, Marie-Dominique Prédal, vous êtes chargée de projet en langue et culture corse au sein du réseau Canopée. Comment s'organise l'enseignement de l'histoire de la Corse au fil du cursus scolaire ? Alors, évidemment, elle est enseignée du cycle depuis tout petit, enfin, cycle 2, c'est-à-dire CP, qui va du CP au CE2 jusqu'au lycée, bien sûr, en passant par les cycles 3 et 4, donc, qui correspondent à la fin du primaire et au collège. Et donc, à raison de 2h30 à 3h par semaine, hein, selon les niveaux. Malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, ça dépend du point de vue, évidemment, elle est insérée dans ce qu'on appelle... Les trois heures hebdomadaires qui comprennent aussi, par exemple, au collège, la géographie. Dans le primaire, ça comprend la géographie, mais aussi l'enseignement qu'on appelle maintenant moral et civique. Voir l'ASVT. D'accord, donc ce ne sont pas des heures dédiées uniquement. Non, donc l'enseignant, bon, le primaire, j'ai plus d'expérience dans le second degré, mais au primaire, je suppose que l'enseignant doit jongler un petit peu avec ses contraintes horaires pour faire passer le maximum de choses intéressantes. Hein. Et alors le cœur du problème par rapport à l'enseignement de l'histoire de la Corse, c'est ce qu'on appelle le croisement des enseignements, ce qu'on a appelé en son temps, dans notre temps, l'adaptation des programmes. C'est-à-dire qu'on préconise des ressources locales pour enseigner une histoire plus large, hein, du monde, de la France ou du monde, hein, selon le programme. Voilà. Donc ça, c'est très intéressant pour justement la diffusion de l'histoire de la Corse, parce que bon, il faut dire que nos compatriotes ont fait pas mal de progrès en 30 ans, on va dire, pour en culture générale et particulièrement pour l'histoire de la Corse, mais on n'est pas encore à un point vraiment. Elle s'est infusée ces dernières années. Donc, évidemment, Pasquale Paoli, etc. Maintenant, c'est passé, c'est ce qui n'était pas évident il y a 35 ans, hein, loin de là. Donc ça, évidemment, c'est un énorme progrès dont on ne peut que se féliciter, bien sûr. D'accord. Lisa, dans cette histoire justement illustrée, histoire de la Corse racontée aux enfants,
C'est 7-11 ans la cible essentiellement. Même mais il y a plus grand. Voilà, les adultes hein, parfois. Il y a plusieurs lectures, oui, oui. On y reviendra. On suit les aventures donc de Nadal et ses reines et de l'abeille à Babel, oui. Donc au fil voilà des époques. Vous vous êtes appuyé sur des ouvrages de référence. On peut citer peut-être quelques-uns des auteurs, Antoine-Marie Gradial, Michel Verger-Francesque ou Jean-Marie Arrigue. Comment s'est organisé ce travail de recherche, de compilation et de sélection surtout? Parce que évidemment, il y a des figures très... ce sont des évidences, voilà, des faits historiques évidents. Mais voilà, comment s'est passé ce travail de sélection et de recherche? Comme tout travail d'historien, en fait, c'est le croisement des sources qui détermine finalement les choix opérés. Bon, il y a toujours une part de subjectivité, mais comme toute science humaine, on dira que la part de subjectivité est importante. Là, on a fait véritablement des choix, certes d'évidence, des personnages incontournables, des hauts faits, puisque c'est une histoire chronologique et non pas une histoire thématique. Donc évidemment, il y a des périodes qui sont... Il y a des moments clés de l'histoire de la Corse. Après, nous avons été aussi limités par le nombre de pages, le support aussi. On aurait pu faire plus sur certaines périodes. De toute façon, on peut toujours faire plus. Je sais que moi, j'ai eu quelques frustrations, par exemple, sur le XXe siècle. Le XXe siècle, il y a tellement de choses qu'on peut dire, et surtout sur la fin, sur le Ryakuist. Et malheureusement, riche, on a été obligé d'avancer et de faire des choix. Voilà. Donc, on a croisé ces sources. On a travaillé sur, évidemment, Antoine-Marie Gradian, sur Jean-Marie Arrigue, qui, en plus, a livré récemment une chronologie aux éditions Albian, donc qui était aussi très importante pour nous parce que ça nous a permis... justement de voir que cette chronologie, elle était aussi dans nos ouvrages, donc qu'il y avait des recoupements qui pouvaient s'exercer. Je pense aussi au travail, par exemple, sur le Moyen-Âge de Philippe Colombane, qui est un travail aussi remarquable. Donc il y a une rigueur scientifique. Bien sûr. Tous voilà. Les deux, nous sommes historiens de formation, donc on a retrouvé finalement, si on peut dire, les réflexes d'un travail historique. Est-ce que vous avez appris des choses? On apprend toujours des choses, oui, en histoire, de toute façon. Moi, je suis contemporanéiste. Frédéric a travaillé plus sur l'Antiquité. Frédéric Bertocchini, oui, a travaillé plus sur l'Antiquité. Donc, c'est vrai que, par exemple, bon, il avait travaillé aussi beaucoup sur Paoli, etc. Mais, par exemple, sur le Moyen-Âge, qui est une période un petit peu méconnue, évidemment qu'on apprend des choses et qu'on découvre des choses qu'on ignorait. Marie-Dominique, quels sont les outils pédagogiques à disposition de l'enseignement de l'histoire de la Corse? Alors, on a des manuels. Là, vous en avez apporté quelques-uns, je voilà, les montre. Le dernier né. Vous en mettez pas, c'est le manuel de troisième, donc dans lequel on peut trouver une rubrique dédiée à l'histoire, avec le souhait d'avoir un angle un petit peu différent, c'est-à-dire que c'est pas une leçon d'histoire, parce que le professeur de Corse n'est pas professeur d'histoire, donc c'est simplement donné, par exemple pour la Première Guerre mondiale, on a choisi de traiter des insoumis, voilà. D'accord. Voilà, c'est donc quelque chose de précis qui peut être le point de départ après d'une leçon d'histoire et d'une leçon d'histoire peut-être du professeur d'histoire, puisque maintenant on a quand même un grand nombre de classes bilingues, hein, que ce soit dans le premier, oui, ou dans le second degré. Donc le prof d'histoire peut prendre le relais, ou l'inverse, hein, ou inversement, le prof de Corse peut prendre le relais du prof d'histoire et traiter vraiment une partie de l'histoire de la Corse à partir de l'histoire mondiale, par exemple. Dans le premier degré, à ma connaissance, enfin en tout cas Canopé, l'ex-CRDP, n'a pas fait de manuel vraiment d'histoire. Donc Lise a cité Astoria les Courses, qui est paru il y a un ou deux ans seulement. Et qui est, je sais, employé par tous les enseignants, parce que justement on manque énormément d'outils. Alors là, vous avez par exemple le Nantui Passi di Pasquale Paoli. Donc nos productions à Canopé sont soit uniquement en corse, soit uniquement en français, soit dans les deux langues. Je pense au Cinquanta documenti di storia, par exemple. Mais c'est vrai qu'on est en demande, enfin, on a une demande permanente de la part des enseignants qui sont vraiment, ils se ruent sur toutes les productions parce qu'il y a un manque vraiment cruel. Et nous. Il y a une appétence,
Est-ce qu'il y a, oui, manque, oui, oui, qu'il y a une appétence pour, oui, pour cette histoire? Oui, parce que, bon, comme de je le disais tout à l'heure, et on a fait des progrès donc, dans la culture générale chez les Corses. Et donc, les gens ont besoin d'outils. Et quand Lisa disait, non, c'est un outil, c'est ludique, mais bon, ça peut très bien devenir un outil pédagogique. Ça, je suppose que ça va vite le devenir, mais d'autant, voilà, plus que j'ai appris que donc, la version Corse serait bientôt disponible. Ah, tout à fait, oui. Et pour les enseignants, ça va être, je pense, une mine, c'est quelque chose, un outil vraiment très apprécié. Donc nous, à Canopée, nous essayons, alors, nous privilégions la langue, parce que c'est évidemment l'apprentissage linguistique, c'est ce qui vient en premier. Mais évidemment, par exemple, dans ces petits fascicules, ces histoires, voilà, Savir et Itur, qui, pareil, c'est une histoire, mais ça peut être le prétexte à développer l'histoire, voilà, les barbaresques, etc. Hein, et oui, après on tire, voilà, le fil. Ensuite, on a évidemment les outils numériques. Hein, nous avons le site Elu Corsica, avec un site dédié à l'histoire de la Corse, Storia di Corsica. Et là, et donc, on a accès à des documents, des vidéos, etc. On a des DVD. Par exemple, on a développé un site pédagogique à partir du film Liberata. Ça, c'est intéressant aussi. Et puis, bon, c'est dans l'air du temps. Je veux dire, il faut aussi... Oui, tout le multimédia, la dimension, voilà, multimédia. Voilà, il faut coller aussi à ce dont les enfants ont l'habitude d'utiliser, bien sûr. Une question qui s'adresse à vous deux, maintenant. Comment évite-t-on l'écueil de la subjectivité ou de la partialité quand on est enseignant ou historien ? En travaillant surtout sur les quand sources. On s'adresse aux plus jeunes. Voilà. En travaillant au maximum sur les sources, de toute façon, en les croisant. Voilà. Il faut croiser les sources, il faut mener une réflexion dénuée, hein, d'affect, si je peux dire. Bon, après, on est des êtres humains, donc forcément, une part de subjectivité existe toujours. Mais il y a quand même une démarche historique qui est une démarche scientifique. L'histoire, c'est une science. Donc, il faut évidemment utiliser les outils à disposition pour arriver à rendre un rendu le plus objectif possible. Oui, pour la production, c'est évidemment, c'est pareil. Nous faisons appel souvent à des auteurs extérieurs. Donc, Lisa a cité Philippe Colombani, qui est un de nos auteurs vraiment... Qui participe très souvent à nos productions. Et donc là, l'auteur, après, évidemment, lui, est libre d'écrire ce qu'il veut, mais il faut quand même dire que nous avons, après, une caution pédagogique via les inspecteurs d'académie, hein, les IPR, les inspecteurs d'académie. Donc je pense que là, on n'est pas suspect de partialité ou de voilà, la subjectivité, voilà, évidemment, oui, elle y est toujours, forcément. De toute façon, l'histoire, voilà, l'histoire, c'est une science, elle a évolué au fil des siècles. On n'écrit plus l'histoire comme on l'écrivait au 19e siècle, on n'est plus dans l'ère Michelet, hein, on n'écrit pas le roman national. Et on a dépassé ce stade-là. Aujourd'hui, on est dans la science. Il y a des méthodes, et ces méthodes, on les emploie de toute façon. Après, évidemment, l'histoire évolue, hein, comme on la réécrira certainement dans les siècles à venir. Voilà, c'est un travail aussi intenté. Oui, ensuite, je veux dire, tout écrit, je pense, ou écrit, ou quel que soit le support, et après, évidemment, aussi, point de départ à la discussion, au développement de l'esprit critique chez l'enfant, donc c'est peut-être même souhaitable aussi, une certaine dose de subjectivité, de partialité. Tout à fait. Quand on parle, par exemple, de la préhistoire, je veux dire, la préhistoire, ça évolue très vite. La recherche évolue énormément, donc forcément, il y a des choses qu'on disait, donc on parlait de la dame de Bonifacio, etc. Mais aujourd'hui, on sait très bien que la dame de Bonifacio n'était pas l'ancêtre des Corses. Il y a eu d'autres ancêtres. Donc voilà, tous ces questionnements, ils s'écrivent au fil du temps. Donc forcément, il y aura des choses qui vont évoluer dans les années à venir, dans le domaine de la recherche. Marie-Ange. Oui, non, c'était pour rebondir sur l'ère Michelet et le roman national. Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'en ce moment même, il y a un roman régional qui est en train de s'écrire ? Et puis, alors, disons le mot nationaliste encore, c'est oui, juste une évidence. Oui, mais plus largement, roman régional. Quand il y a une question identitaire, bien évidemment, il y a une volonté d'écrire
une histoire qui correspond évidemment à ce sentiment identitaire, mais il y a quand même aujourd'hui une université qui est en place depuis les années 80, donc avec des scientifiques, des gens qui travaillent sur des méthodes historiques. Aujourd'hui, on a depuis des années des outils à disposition pour pouvoir évidemment travailler de manière scientifique. Marie-Ange, vous gardez la main. Ok. Alors, on vous écoute pour votre focus. Oui. Mais du coup, j'opère un petit renversement de rapport. Alors, ce ne sont pas les parents qui racontent la grande histoire à leurs enfants, mais c'est une enfant qui raconte ses petites histoires aux adultes. Alors, c'est Riyad Satouf qui a écrit les Cahiers d'Esther. Alors, c'est né tout simplement d'une conversation banale avec la fille d'amis de Riyad Satouf, Esther. Alors, c'est un faux prénom, mais là, elle s'appelle Esther. En fait, il s'est aperçu qu'il était totalement étranger à ce monde enfantin qu'elle lui racontait. Et de là est née une curiosité, et donc l'idée de faire une BD, et l'idée de publier cette BD. Alors, en fait, du coup, Riyad Satouf raconte les histoires, les petites histoires quotidiennes d'Esther, et ça devient un peu une sorte de journal intime vivant. D'ailleurs, on le voit dans les dessins, on le verra tout à l'heure dans les palettes, les cases sont très chargées, mais le dessin reste quand même assez fluide, assez rond, assez simple, assez réaliste, semi-réaliste même. Enfin bon, ça c'était pour la touche Marcel Petrich. Je passe. Je, ouais, je reviens au cahier d'Esther. Donc on en est au tome 4. Il retranscrit sa vie depuis ses 9 ans. Il souhaiterait le faire jusqu'à ses 18 ans, si elle le souhaite encore. C'est une enfant tout à fait banale, je dirais, parce qu'elle vient d'un milieu assez aisé, parisien, plutôt intello, assez bobo, qui ne regarde pas la télé. Et on se dit, bon, au final, qu'est-ce qu'on peut attendre de cette enfance assez protégée et somme toute banale. Mais déjà, ça nous met face à la réalité, et parfois un peu gênante, parce qu'il faut bien le dire, on se trouve face à une petite fille parfois un peu bébête, un peu superficielle. Mais ça nous fait rire aussi parce qu'on voit que venant d'un milieu intello, elle écoute quand même de la daube et ça fait hurler ses parents. On voit que les questionnements par rapport au corps et par rapport au corps féminin sont très centrés sur l'apparence. Le féminisme, c'est pas encore gagné. Que les lectures n'ont pas changé entre les générations. Elle lit les quatre filles du docteur March. Elle lit le Club des Babysitters. Moi, j'étais complètement accro à ce livre. On apprend qu'elle mesure 1m52 à 12 ans et que j'en mesure 1m58 à 30. Mais bon, c'est pas grave. Et on apprend qu'une frange peut être un sujet de dispute avec sa mère. Vous remarquerez mon front dégagé. En fait, moi, j'ai appris que j'avais encore 12 ans. Mais si on veut vraiment intellectualiser l'ouvrage, bien sûr, on voit qu'elle incarne la jeunesse d'aujourd'hui, ou une partie, qu'elle représente une partie de cette préadolescence. Mais Riyad Satouf, lui, l'a pas écrit pour ça. Il dit, j'ai pas envie de tomber dans cet écueil-là, dans cette réflexion. Et en fait, Esther représente un peu ce que l'on veut. Ça peut être un Judas par lequel les parents peuvent appréhender la vie intérieure de leurs ados. Ça peut être un moment de nostalgie pour les adultes vieillissants, ou le témoin d'une génération en devenir. En tout cas, moi, j'aimerais bien la suivre jusqu'à ses 18 ans, parce que je pense que ces interrogations entre 14 et 18 seront pas mal intéressantes. Merci, Marie-Ange. Vous connaissez ? Oui, je connais, oui. Bon, de toute façon, c'est prévu jusqu'à ses 18 ans, normalement. C'est prévu, mais si elle est encore... là, elle en a 12. Si elle est encore d'accord, a priori, c'est prévu. Ouais. Alors, plusieurs lectures donc pour les Cahiers d'Esther. Oui. Plusieurs lectures également, Lisa, pour l'histoire de la Corse. Oui, donc il y a une lecture, évidemment, en suivant ces deux personnages. Hein, là, les enfants vont s'identifier aux personnages, un petit garçon, une petite fille, bon, il y en a pour tous les goûts. C'est bien, parité respectée. Et puis, il y a ces petits encadrés en fin de page qui apportent la touche pédagogique pour la lecture avec les parents. C'est-à-dire les parents vont amener le côté un petit peu sérieux, pédagogique, en expliquant des termes un petit peu plus compliqués qui sont dans les dialogues. Et puis, il y a l'abeille. Alors, l'abeille s'adresse aux plus petits. Elle apporte la touche comique, puisqu'elle est mise en situation, donc elle est partout, elle est en tenue d'époque, elle se fond des corps, voilà. Marie-Dominique, est-ce qu'on réfléchit, je suppose, au futur outil pédagogique pour rendre l'enseignement plus dynamique encore de l'histoire ? Vous parliez tout à l'heure du site internet, mais oui. Est-ce qu'on peut imaginer quelque chose de plus participatif ou interactif ? Nous développons aussi des applications
Donc notamment, il y a eu une application faite à la demande de la bibliothèque de Pré qui s'appelle Un Corse en 14. Voilà, donc ça c'est... Bon, malheureusement, nos productions ne sont pas disponibles au grand public, je dirais, hein, parce que nous ne vendons pas. Et notre public premier, c'est la communauté éducative. Bon, vous me direz, la communauté éducative, les parents en font partie. Donc évidemment, il est légitime qu'ils aient envie aussi de se procurer ces ouvrages. Mais bon, quant au support, oui, bien sûr, le numérique, les applications, ça, je pense que c'est l'avenir. Bon, à condition d'être équipé, parce que malheureusement, ce n'est pas encore le cas de tous les établissements scolaires. Et donc, j'espère que ça va se développer assez vite. Mais personnellement, je suis quand même encore attachée à l'outil. Au livre physique, en tout cas. Lisa Marie-Dominique, je vous propose maintenant de répondre à notre interview « Il était une fois ». Alors, la date ou l'événement le plus important pour vous de l'histoire de la Corse ? Évidemment, hein, moi je pourrais en citer plusieurs. On va être classique. Hein, on va parler de Ponténove, on va parler des événements d'Aléria. Voilà, c'est des dates incontournables, des moments clés hein, de l'histoire de la Corse. Alors pour rester en lien avec l'enseignement, je dirais l'ouverture de la première université. Voilà, 1765, qui a malheureusement peu duré. Oui, effectivement. La figure historique pour vous ? Bon, allez, moi, pour me faire plaisir, je dirais Faustine Agaffour, mais bon, évidemment, Paoli est incontournable. Hein. Napoléon aussi, on ne peut pas les opposer. Et puis, sans Pirocourt, voilà, c'est les trois personnages fondamentaux. Oui, moi, je dirais Paoli par rapport, évidemment, aux Lumières, etc., tout ce qu'elle a, toutes les idées qu'il a véhiculées. Et alors, Lisa, tout à l'heure, disait « Allô, dans les Bonivas, on est Mykonos l'antique ». Moi, je la citerai quand même parce que, moi, je sais que quand j'enseignais en collège, c'est vrai que c'était une façon de dire regardez, à partir de là, de cette découverte, on a connu notre histoire, justement, et les prémices donc, de l'histoire. Et je trouve qu'elle est, quand même importante. Bon, je défendrai toute seule Napoléon Bonaparte. Et on se projette un petit peu le prochain grand rendez-vous de la Corse avec son histoire. Nous, on en a parlé. Hein, vous en parlez un petit peu, je vais le montrer. Le retour vers le futur est déjà en marche. Non, on a... Évidemment, hein, c'est la Squadra Gorsa qui gagne la Coupe du Monde. Non, c'est certainement les évolutions de statut à venir, voilà, peut-être. Donc, politique. La suite, Lisa, c'est la collection en langue corse. Tout à fait, voilà, qui est prévue pour l'été prochain. Et puis, d'autres surprises en matière d'histoire de Corse. Et puis, nous avons presque achevé ce même principe pour l'histoire de France. En 6 tomes. En 6 tomes aussi, voilà. Également. Tout à fait. Qui sera toujours aux éditions Clémentine. On a oublié de citer l'éditeur. Aux éditions Clémentine, voilà. D'accord. Donc ça, vous sortez carrément de Lille. Tout à fait, oui. C'est le travail, la recherche est déjà réalisée. Oui, tout à fait. On en est à la phase de dessin actuellement. Et oui, on a achevé ce travail. On a travaillé de la même façon, c'est-à-dire là aussi en s'appuyant sur des sources historiques. Et on a essayé de coller aussi au 6 tomes. Et là aussi, il a fallu faire des choix. Alors, est-ce que vous respectez l'enseignement, ou en tout cas... thématique ou l'enseignement chronologique de l'histoire avec ces 6 tomes ? C'est un grand débat, ça aussi. Ben là, on est dans de la chronologie, bien évidemment. Après, si demain, c'était un ouvrage scientifique, on serait dans du thématique. Marie-Dominique Frédal. Pour l'enseignement, je pense que, je dirais, thématique, à condition que la chronologie soit maîtrisée, ce qui est loin d'être le cas, parce que les élèves considèrent malheureusement encore l'histoire comme un sac au pien à vitium. Hein, c'est un peu un sac de vieilleries. Les vieilleries, qu'elles datent de l'Antiquité ou de Ponténove, ou pour eux, c'est pareil. Moi, je me souviens quand je dessinais l'axe chronologique au tableau, et que je demandais qu'ils me citent des événements ou des personnages à placer à certaines époques. Bon, si j'étais au Moyen-Âge, ils pouvaient me citer Napoléon, par exemple.
Et quand je situais Napoléon sur l'axe, ben, je disais, regardez l'écart qu'il y a entre le Moyen-Âge et Napoléon, et nous. Voilà. Alors que Napoléon, ça leur semble vraiment plus que la préhistoire. Quoi. C'est les dinosaures, c'est avant les dinosaures. Quoi. Donc on a besoin voilà. de revenir à des grands repères comme ça. Voilà. Donc l'idée d'enseigner l'histoire de façon thématique est intéressante parce que justement ça permet de l'insérer ou de l'extraire de choses plus générales. Hein. Mais une fois de plus, si la chronologie n'est pas maîtrisée, je crois que ça peut entraîner pas mal de confusion chez l'enfant ou chez le jeune. Ah bah écoutez, merci beaucoup pour toutes ces précisions, Lisa Doraz, Marie-Dominique Prédal. Merci de nous avoir accompagnés. Revenez nous voir quand vous voulez. Je rappelle donc l'histoire de la Corse racontée aux enfants aux éditions Clémentine est toujours disponible. Marie-Ange, merci. Vous aviez oublié mon prénom. N'est-ce pas ? J'oublie tout à la fin, vous le savez. Alors, pendant le 20h, c'est fini pour aujourd'hui, mais ça continue en replay sur Internet. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt sur France 3 Corse via Style. Merci beaucoup.